Savigny, où nous allons célébrer ensemble le culte en ce jour de l'indépendance vaudoise, un culte qui nous parlera d'espérance et de se mettre à la recherche. Venez, suivez-moi. Dépendance.
frères et sœurs, aujourd'hui, 24 janvier, vous le savez, c'est le jour où nous commémorons l'indépendance vaudoise. Et nous nous souvenons de cette espérance qui a habité nos ancêtres. Une espérance, comme le dit l'hymne vaudois, en un plus riant avenir de notre pays. Je ne parle pas de la Suisse, mais notre bien beau pays de Vaud. Car c'est bien connu, on est mieux dans un pays qui vaut que dans un canton qui valait, n'est-ce pas, Christian Constantin? D'ailleurs, mieux vaut un vin qui vaut qu'un autre qui valait pour accompagner le repas traditionnel qui vous attend, je l'espère, à midi. Le pape est vaudois, moi qui croyais qu'il était argentin. Trêve de plaisanterie, osons concevoir l'espérance, comme le dit l'hymne vaudois, c'est un thème d'actualité en ces temps chahutés. Et pour vivre cette espérance, il faut se mettre en route, ensemble, se mettre à la chercher cette espérance, se mettre à la vivre ensemble. C'est cela à quoi nous invite l'Évangile que nous allons entendre tout à l'heure. Pour l'instant, recueillons-nous dans la prière. Seigneur Dieu, parfois, dans notre société où nous aimerions tout maîtriser, tout savoir, tout connaître, où parfois l'angoisse et la peur se font jour dans nos cœurs, nous oublions que nous avons besoin de toi, de ton amour inconditionnel. Nous avons besoin de ta présence et de ton espérance. Alors oui, ce matin, nous te rendons grâce pour la chance que nous pouvons vivre ce culte à distance, malgré la pandémie. Pour la chance que nous avons d'écouter ta bonne nouvelle pour nos vies. Cette bonne nouvelle qui nous inspire de l'espérance. Oui, ce matin, par ton Esprit Saint, ouvre nos cœurs, afin que nous puissions te louer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh, que c'est chose belle de te louer, Seigneur. C'est le cantique que vous pouvez chanter depuis votre canapé. Depuis chez vous, vous pouvez lire avec moi le psaume 27 dans sa traduction moderne de Christian V. Ne me snobe pas, mon Dieu. Ma lumière, ma planche de salut, c'est Dieu. Que pourrait-il bien m'arriver? Je n'ai qu'une demande à adresser à Dieu, mais une chose à laquelle je tiens plus que tout, c'est de partager son toit chaque jour de ma vie, pour admirer sa douceur et explorer sa demeure toujours davantage.
Écoute-moi, mon Dieu. Plus encore, réponds-moi. Je me souviens que tu as dit, cherchez-moi. Je te cherche, mon Dieu. Ne détourne pas la tête, ne me snobe pas, toi qui m'as aidé. Ne me laisse pas tomber, ne m'abandonne pas. Tu es le seul qui puisse me mettre en sécurité. Si j'étais orphelin de père et de mère, je suis sûr que tu m'adopterais. Alors je t'en prie, mon Dieu, invente-moi une issue tandis que je n'en vois aucune. Ne laisse pas les difficultés m'écraser, ni le doute s'immiscer en moi, et encore moins la peur. Je t'en supplie. Que deviendrais-je si je devais perdre cette certitude que tu manifestes ta bonté sur cette terre où nous vivons? Allons, calme-toi et consolide ton espérance. Refais tes forces et continue de compter sur Dieu. Amen. Je vous invite à la prière. Ô Dieu notre Père, merci. Merci parce que tu es constamment à nos côtés, jour après jour. Et pourtant, Seigneur, pris par des pensées quotidiennes sans importance, nous oublions trop souvent cette réalité. Ta parole est lumière. Et nous en avons tellement besoin pour notre cheminement sur la terre. Parle-nous ce matin au travers de tes Écritures. Ouvre notre esprit à ta sagesse. Montre-nous, Seigneur, le chemin à suivre pour chacune et chacun d'entre nous, ce chemin qui répond à ta volonté. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Les lectures de ce matin sont tirées du Nouveau Testament, de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 1, les versets 35 à 42, les premiers disciples. Le lendemain, Jean se trouvait de nouveau au même endroit avec deux de ses disciples. Fixant son regard sur Jésus qui marchait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples, l'entendant parler ainsi, suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils s'étaient mis à le suivre, il leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils répondirent « Rabbi », ce qui signifie « Maître ». « Où demeures-tu ? » Il leur dit « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure.
André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces deux qui avait écouté Jean et suivi Jésus. Il va trouver avant toute autre chose son propre frère, Simon, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ. Il l'amena à Jésus. Fixant son regard sur lui, Jésus lui dit « Tu es Simon, le fils de Jean, tu seras appelé Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Selon Jean, au chapitre 20, les versets 11 à 18, Marie de Magdala voit le Seigneur. Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau et elle voit deux anges, vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu ?» Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Marie de Magdala va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Chers frères et sœurs en Christ, que cherchez-vous? Dans votre chemin de vie, que cherchez-vous? Le bonheur, la joie, la richesse, le pouvoir, l'amour? Que cherchez-vous? Dans ces temps chahutés, que cherchez-vous? La paix, la sérénité, la confiance, la patience, l'espérance, le sens? Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Ce sont les tout premiers mots de Jésus dans l'Évangile selon Jean. Question que posera Jésus de nouveau à la fin du récit joannique à Marie de Magdala, elle qui pleure devant le tombeau vide. Qui cherches-tu? Question qui ouvre et clôt le parcours de Jésus parmi nous. Question que Jésus adresse à qui s'approche de lui, à chacun de nous. Quand tu ouvres l'Évangile, que cherches-tu? Quelle est ton attente? Quel est ton désir? Que cherchez-vous? Tout commence par une question, pas par une réponse. L'aventure croyante n'est pas réponse à nos questions, comme si la foi devait nous rassurer ou combler tous nos vides. Non, la foi n'est pas une certitude inébranlable, mais toujours elle sera traversée par le doute et le questionnement. L'aventure de la foi nous fait sortir des sentiers battus. Elle est parfois insécurisante, toujours enthousiasmante. Que cherchez-vous? Les premiers mots de Jésus dans l'Évangile de Jean sont donc une question, pas une réponse. Une question qui témoigne d'un Dieu qui s'intéresse à l'humanité.
un Dieu qui se met à leur écoute avec sympathie. Cette écoute est le point de départ d'une vraie rencontre. S'intéresser à quelqu'un, c'est lui donner une existence, c'est lui montrer qu'il est important à nos yeux. Le Dieu de Jésus-Christ n'est pas une divinité impassible qui serait réponse immuable à toutes nos questions. Non, il est un Dieu qui s'intéresse à l'être humain, qui vient partager nos joies et nos peines. Il ne répond pas à toutes nos questions, à toutes nos angoisses, mais il vient cheminer avec nous. Il vient habiter nos questions. Que cherchez-vous ? Ce texte biblique précis a beaucoup compté dans ma vocation. Moi aussi, alors jeune étudiant qui me projetais en tant que futur journaliste sportif, moi aussi j'ai entendu cette question qui m'était adressée. Que cherches-tu, Benjamin ? Je te cherche, Seigneur. Je veux demeurer avec toi. Telle avait été ma réponse à l'époque, il y a 17 ans, quand je méditais ce texte. Depuis, je médite souvent cette question et cette réponse, comme pour réactualiser cet appel chaque jour, chaque matin. Que cherches-tu, Benjamin ? Je veux te suivre, Seigneur. Comme avec ce texte de Christine Reinbold, que Gilberte Gonin, une fidèle paroissienne, m'avait fait découvrir il y a quelques années de cela. Je vous le partage. Te suivre, Seigneur, n'est pas une aventure commencée à la légère et poursuivie avec désinvolture. Un jour oui, l'autre non. Cela, tu n'en veux pas. Te suivre, Seigneur, c'est prendre du temps, beaucoup de temps, pour te comprendre, t'approcher et apprendre à t'aimer. Te suivre, Seigneur, ce n'est pas l'affaire d'un jour, mais l'affaire de tous les jours. Fidélité par-delà les obstacles et les ténèbres. Fidélité par-delà la peur et le doute. C'est aussi trouver le temps de la patience. Laisser la fleur sortir de terre, s'épanouir et se tourner vers le soleil. Jamais rien ne pourra se réaliser par la force. Te suivre, Seigneur, c'est aussi travailler chaque jour à la construction de notre vie de chrétien, en puisant en toi les forces nécessaires pour tenir et tenir jusqu'au bout de l'aventure. Que cherchez-vous ? La réponse à cette question par les deux disciples est en fait une autre question. Où demeures-tu ? Comme Marie au tombeau lui demande, où l'as-tu mis, ce Seigneur qui a disparu du tombeau ? Deux interrogations qui posent la question du lieu où trouver celui que l'on cherche. Cela dit un désir de proximité, le désir des disciples de ne pas se contenter d'une rencontre rapide au bord du chemin, mais de rester auprès de lui. Où demeures-tu ? C'est comme si on lui lançait « T'as où les vaches ? Comment faire pour te trouver ? Comment faire pour vivre avec toi, pour que nous demeurions en toi et toi en nous ?» En fait, ce texte nous invite dans notre quête spirituelle à rechercher la demeure de Jésus. Comme il le dira plus loin dans ce même évangile selon Jean, « Demeurez dans ma parole, demeurez en moi, demeurez dans mon amour. » Jésus répond, « Venez et vous verrez. » Oui, dans la foi, il y a des choses qui ne se démontrent pas, mais elles se vivent. Viens et fais confiance, tu recevras ce que tu cherches. C'est comme si Jésus nous disait cela. Cela signifie à la fois une mise en route, venez, osez quitter ses conforts et ses certitudes, et à la fois de bien regarder ce qui nous entoure, vous verrez, de prendre conscience de ce que nous sommes en train de vivre à la suite du Christ. Ils allèrent donc et ils virent où ils demeuraient. Voir, dans la traduction française, c'est le verbe utilisé quelques lignes plus haut lorsque Jésus se retourne et voit les disciples qui le suivent. Mais le mot grec qui est derrière n'est pas identique. Ils virent où ils demeuraient. C'est le même voir que celui de Marie de Magdala annonçant aux apôtres après avoir reconnu son Seigneur. J'ai vu le Seigneur. Un voir qui dit une expérience. Pourtant quasiment indicible. Marie de Magdala a fait l'expérience du ressuscité. Les deux disciples de Jean-Baptiste qui ont suivi Jésus
non pas seulement repéré où il habitait physiquement sa maison, ils ont expérimenté quelque chose du mystère et de la présence de l'agneau de Dieu désigné par Jean. Ce ne sont pas leurs yeux qui ont vu où Jésus demeurait, c'est leur cœur. C'est pourquoi André peut dire à son frère Simon, « Nous avons trouvé le Messie ». Ces mots ne sont pas une définition de catéchisme, mais le fruit de ce qu'il a vécu avec Jésus. Annoncer le Seigneur suppose de pouvoir rester avec lui, de goûter sa présence. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, dans ces temps de crise, nous sommes plus que jamais, chacune et chacun, appelés à le suivre, à demeurer en lui, lui qui est cet agneau de Dieu, qui est ce maître. L'agneau de Dieu, c'est à la fois l'image du serviteur souffrant, annoncé par Ésaïe, réalisé sur la croix avec toute la souffrance que cela comporte. Mais c'est aussi un signe annonciateur de libération, comme dans l'Exode, un signe de résurrection. Mettre nos pas dans le ressuscité et demeurer en lui. Voilà un programme pour ce temps de pandémie. Mettre nos pas au pluriel, car nous ne sommes pas seuls. Et cela m'a touché de découvrir dans ce texte, pourtant profondément médité il y a 17 ans, et qui m'avait ébranlé pour ma vocation personnelle, j'ai découvert en préparant ce culte l'importance du collectif, de la communauté de la foi. Regardez, ce n'est pas Jésus qui appelle, c'est Jean-Baptiste, dans son rôle de témoin qui désigne simplement celui qui est l'agneau de Dieu. Combien de fois ne nous sommes-nous pas mis en route à cause, grâce à des témoins qui, par leurs paroles, par leurs actes, ces proches, cette famille, ces gens importants pour nous, nous ont mis en route. Alors nous aussi, nous pouvons être témoins pour les autres. Soyons-le. Et puis regardez, ce n'est pas « que cherches-tu », c'est « que cherchez-vous ». Vous au pluriel. Les disciples sont deux, André et un autre. Dans son chemin de foi, il est important de réaliser que nous ne sommes pas seuls, que nous cheminons ensemble. C'est d'ailleurs ce que je réponds souvent aux gens qui disent « Oh ben moi, je peux bien vivre ma foi tout seul, dans mon coin, pas de problème. » Mais nous avons besoin les uns des autres pour cheminer ensemble. Nous avons besoin les uns des autres pour nous soutenir mutuellement quand nous vivons des temps difficiles. Nous avons besoin les uns des autres quand nous vivons un temps heureux, joyeux, pour partager cette joie. Oui, je le crois profondément, nous avons besoin de la communauté de la foi. Et ce texte nous montre bien, soyons communauté de foi ensemble. Oui, la bonne nouvelle de ce texte, chers frères et sœurs, c'est que dans cette quête spirituelle, cette quête de vie en plénitude, cette quête de confiance et d'espérance en ces temps chahutés, nous ne sommes pas seuls. Le Christ est avec nous. D'autres disciples, d'autres suiveurs du Christ sont avec nous. Alors, cherchons, mettons-nous en marche et nous verrons. Nous verrons sa gloire. Nous verrons ses projets de bonheur pour nous. Nous verrons combien Dieu est bon. Amen. Thank you.
recueillons dans la prière. Seigneur, en ce matin, nous t'apportons nos prières. Nous te prions pour les personnes au chômage ou dans la précarité, pour les personnes qui vivent des situations difficiles et qui n'ont plus d'espoir. Nous te prions pour les malades, pour ceux qui souffrent de la situation sanitaire, pour les personnes seules. Nous te prions pour les enfants et pour les jeunes qui peinent à trouver leur chemin dans la vie, à trouver un sens. Nous te prions pour les parents qui vivent des temps difficiles, qui se déchirent. Nous te prions pour les familles en deuil, dans ce temps si particulier où le deuil est difficile à faire. Nous te prions pour ceux et celles qui te cherchent, pour ceux et celles qui cherchent un sens à leur vie. Oui, Seigneur, ce matin, nous t'apportons nos demandes. Nous te les disons dans le secret de notre cœur. Le Seigneur, c'est dans la confiance que nous déposons devant toi toutes ces prières. Ouvre nos yeux à ta présence et rends nos cœurs confiants pour la suite du chemin avec toi. Nous te demandons cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et ensemble, nous pouvons dire, de là où vous êtes, en communion les uns avec les autres, cette prière que le Christ lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'ai soif de ta présence. Vous pouvez le chanter depuis chez vous. Nous arrivons presque à la fin de ce culte YouTube. Remercier évidemment l'organiste Jacqueline Blanc, Marc-André Muller pour la lecture et Mathieu Janin au
tournage et au montage, c'est un sacré boulot. Merci, Mathieu. Évidemment, vous le savez, notre paroisse vit des temps financièrement difficiles. Merci pour votre soutien financier. Vous pouvez faire un versement sur le CCP, numéro de CCP qui s'affiche actuellement. Dimanche prochain, le 31 janvier, ce sera l'occasion de vivre le dimanche missionnaire avec le culte autour du département missionnaire et la campagne célébrée par Emmanuel Spring, mon collègue. Nous aurons des cultes radiodiffusés sur la RTS, sur Espace 2, en direct depuis Forel à la fin du mois de février, début du mois de mars, les 28 février, 7 mars et 14 mars. Nous comptons sur votre présence, pour autant que la situation sanitaire le permette, pour ces trois cultes à Forel, 28 février, 7 mars et 14 mars. Enfin, une nouvelle importante pour tous les couples et tous les amoureux, on arrive bientôt proche de la Saint-Valentin et ces dernières années, vos ministres avaient préparé un repas et une soirée avec quelques animations pour prendre soin de son couple. Vu la situation sanitaire actuelle, ce ne sera pas possible de le faire sous cette forme cette année, mais nous avons décidé de vous offrir un repas de la Saint-Valentin à l'emporter. Donc le samedi 13 février, vous pourrez venir chercher au forum de Savigny ou ailleurs, on verra la salle de la dure de Savigny, de 18h à 19h, votre repas, ce sera un repas asiatique, et puis avec un kit d'animation que vous pourrez trouver sur le site internet. Tout cela pour le prix de 50 francs par personne, il y aura aussi une bouteille de vin pétillant qui sera offerte. L'idée étant de prendre soin de son couple aussi et surtout dans ces temps difficiles. Merci de vous inscrire avant le 7 février auprès de moi, par téléphone, par mail, pour qu'on puisse savoir un petit peu les quantités. Voilà, on vous recommande vraiment cela. Le dernier chant, c'est trouver dans ma vie ta présence, c'est pouvoir cheminer avec lui, trouver dans ma vie ta présence. Je suis
bénédiction finale. Recevez la bénédiction de Dieu. Que la route s'ouvre à votre approche. Que le vent souffle toujours dans votre dos. Que le soleil inonde et réchauffe votre visage. Et la pluie ruisselle dans vos champs. Et que jusqu'à notre prochaine rencontre, Dieu vous garde dans la paume de ses mains. Oui, que Dieu vous bénisse et vous garde, vous qui le cherchez, lui et son royaume. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et un tout bon dimanche à chacune et à chacun. Bon verre de blanc.